Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Alors, il y a eu, j'ai pas fait grand chose en vrai. J'ai juste placé les, générateurs à carburant, et je crois que j'ai colorié, alors je sais pas du tout, j'en sais rien, comme d'habitude, même pas s'il y a une différence à ce truc de merde. Pardon. Et donc je disais, j'ai peut-être même... Bon, j'ai placé, je crois, les trucs, là. Je sais pas du tout si j'ai coloré. Hein? Ça sert bien, les couleurs. C'est pas la même couleur, en vrai, hein. C'est exactement la même couleur. Ah bah non. Parce que sinon, ça m'est déjà appliqué. Oh putain, c'est pas du tout la même couleur. Donc, on place. Oh merde. Donc, j'ai placé mes 20. Ça. J'ai placé mes 20 générateurs à carburant. Là, on va y arriver. Je suis en train de placer les 20 entrées de mon générateur, de mes générateurs à carburant. Parce que générateur avec un S, donc on fait les liaisons. Ah, c'est générateur ZA. C'est dégueulasse. Générateur à carburant. Mais oui, Zegler. Attends, mais je l'ai déjà fait ça. Je me fais entuber ou. C'est quoi le délire là? Si ça se trouve, j'ai fait un tour pour rien, vous me direz. Mais si ça se trouve, j'ai juste fait un tour pour rien, en fait. Donc... Alors, il faut savoir... Oui, aussi, oui, c'est vrai qu'il y a ça aussi. Il faut savoir que... en fait, j'avais tous placé les pipelines, là, dans le sol. Tous. Et je me suis rendu compte, en fait, que je les avais placés un tout petit peu trop près. Je les avais avancé vraiment d'un tic, en fait, d'un rang... plus près. Et bah non, en fait c'était trop près, j'arrivais pas à faire la courbe. Donc pas de pot. Obligé de tout refaire. C'est pas bien grave, hein. Ça me permet de le faire avec vous. Ça permet un peu de raconter des anecdotes. Bon. Voilà, pardon. Alors, on va mettre les couleurs, parce que là, il me semble que les couleurs n'y sont pas. Ou alors, je me suis fait avoir, les couleurs y sont déjà, c'est possible aussi. Si ça se trouve, je transforme la même couleur en la même couleur. Mais ça, c'est pas grave. Ah, bah dis. Hop, hop, hop et hop. Voyons voir ce qu'il y a en dessous. Excusez-moi, mais là. Voilà. Faire sortir. Ah oui. Oui, bah forcément, faut que je fasse aussi l'alimentation et tout, quoi. Allez, on y croit. Tac, 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 tac. Comme ça, là, c'est pour passer. C'est loin. Ok, on va rester sur la même rangée là. C'est loin ça hein. J'ai pas décalé hein. Ça va, j'ai pas décalé hein. Pas du tout hein. Oh, purée. Ok. Deuxième rangée là. Une fois
correct. Tac. Bah. Ah oui, d'accord, je suis pas dans le bon sens. Ok. Attendez, j'aurais fait un petit tour de magie là ou... Bon, ça monte. Ouais, dans un sens, mais ça marche pas de l'autre. En vrai, de vrai. Oh, trop bien. Et j'aurais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Ça, c'est génial. Comme ça, je vais pas me prendre de le chou. Pas là. On va faire quand même sans kikiné à tout colorer. Ça doit être moins drôle, mais bon. Hop, et... Qu'est-ce qu'il fait là tout seul le pauvre? Ah oui, d'accord, oui, bah oui, non, c'est vrai. C'est juste que j'ai totalement zappé de les rouler en fait. Donc... Ouais, peut-être une petite différence de couleur, ouais, vite fait. Vraiment juste histoire de dire. Allez. Ouais, si, oh... Ah oui, vite fait, bon, on s'en fout de toute façon la couleur, c'est quoi, ça sert à rien la couleur. Les couleurs ne servent absolument à rien à part engranger. Bref. Des mots qu'il ne faut pas dire sur YouTube, hein, à base de R et de trucs comme ça. Voilà, donc soyez daltonien les gars, si j'ai envie de vous dire un truc, soyez daltonien, comme ça vous voyez pas les couleurs. Ça vous fait une tare en moi, j'ai envie de dire. Alors, vous savez qu'on me l'a déjà fait ça en plus. Hein. On me l'a déjà fait premier degré. Hein. Bon, le gars savait pas que j'étais à Dolby. Hein. Et je sais plus, ma conversation. Oh, bah j'en ai oublié ici. Trop bien, je vais devoir remettre de la couleur. Dans la conversation, je sais plus. Je lui ai dit, ah ouais, toi, t'as pas. Je sais même plus, honnêtement, je sais même plus le contexte. Hein, mais... Je dis un truc du genre. Ah ouais, toi t'as pas genre ça, je sais pas ce que c'est, je sais même pas ce que c'était ce ça. Et bah non, bah ça se voit non. Ah bon, pourquoi quand c'est pas écrit sur ta gueule quoi. Et bah ça se voit quand même à ma couleur. Hein. Et bah non, je suis daltonien mon gars, bon courage. Ah, foutre hein. Voilà, la puissance du daltonisme le mec. Bon bref, reprenons-en, un mouton, alors, que je mette des bons trucs. Auto 2D, non, c'est ça. Le 2D il est bien. Hop, donc là je relis, je veux que ça soit relié à peu près partout surtout. Voilà, là c'est bien relié. Je vais relier là-bas également. Ou pas. Bah ou pas, hein, c'est ce que je suis en train de me dire. Oui, 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 bah oui, je peux relier, mais. Là-bas où? Là ça marche pas. Ah, j'ai peur que là ça fonctionne pas. Oh si, bon, ça fonctionne. Oh putain. Me demandez pas comment ça fonctionne. C'est pas très... Oui, bon, ça, on arrive. Voilà. Oh merde. Laisse-moi deviner. Oh putain, alors les quêtes j'ai fait en plus. Et... On va retrouver ce... Ah si, le grand là-bas, je crois que... Voilà. Bon, c'est là qu'il va falloir essayer de lancer tout ce bazar. Ah bah non. Avant, il y a une autre chose importante à faire. C'est de relier au circuit électrique. Ce que je n'ai pas fait du tout. Je crois.
Bah oui, non, non, parce que je n'ai absolument pas fait. Ouais, t'as mis où le machin là? Où est-ce que. Enfin. Ah ouais, c'est vraiment pas terrible. Hein. En vrai de vrai. Putain, là j'aimerais bien faire genre. Tac, 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 et là, hop, ça repart sur un autre. Mais bah, j'ai pas de MK2 en fait. C'est quand même con de pas avoir fait de MK2. Bah, voilà, donc on va faire tac, tac, non. On va faire tac, tac, non. Donc on va faire deux par deux, quoi. Et je lasserai mes chaussures. Non, merde, oh, toujours pas. Oh, c'est con ça. Hop. Ah, ouais, comme ça, on arrive à 4. Ouais, c'est quand même couillon, hein. J'ai pas eu besoin du MK2. Et puis quand j'en ai besoin, je me dis, oh, ça attendra, hein. Oui, bah oui, oui. Et mon gars, hein, t'as tout raison, bref. Putain, il s'est déjà lancé, le couillon. T'es pas relié au réseau, hein. Arrête de produire que pour ta tronche, hein. Par contre, il y en a un seul qui s'est lancé, je comprends pas. Ah ça y est, ils se lancent tous d'un coup là. Comment ça se fait? Ouais. C'est bizarre, ils se sont lancés à partir d'un endroit. Mais pas avant. Et ça, tu vois... J'ai en... en plus, je suis pas fan qui se lance maintenant. Ici, il se lance maintenant. Ça veut dire que... peut-être plus ce qu'il faut pour se lancer après. Je voudrais lancer toute la prod. Il n'y aura peut-être plus assez de carburant. Merde. Ah je tombe. Eh non. Ouais je tombe. Pire, j'ai un truc comme rattraper. Alors, ça y est, c'est relié. Oh, la production, j'ai 1800, 5500. Bon, avec des fluctuations, et j'ai bien fait d'avoir un. Là, ça m'a sauvé là. C'est que je produis pas tout parce que là, j'ai eu un petit souci. Voilà, et voilà. Donc là. On va avoir la prod de caoutchouc qui est là, on a la prod là-bas de résine de polymère. Attends. Je suis en train de me dire là. Elle est où ma prod de coque de pétrole? Premier degré. Hein. C'est pas ça là? C'est pas les raffineries là-bas? Ah oui d'ailleurs les raffineries là-bas, j'en avais 6, j'en ai 5 parce que je me suis trompé dans mes calculs. Non, c'est ça ma coque de pétrole. Eh ouais. Oh chiant. Ah chiant par contre. Bah je vais le ramener par là. On va pas s'en kikiner, on va le ramener tout de l'autre côté. Groupeur. Je suis en face, oh, j'en sais rien à chaque fois. 4, 3, 4. On produit combien par minute ça? 90, ah oui. On produit MK2. Ah bah ils m'ont vieillé là. 3. Soit 4,360. Ah, à partir sur le MK4 apparemment. 90. 120. 270. 270, je crois que c'est le max pour le MK3 en plus. Ouais, MK4.
suis en quoi ou là? Ah, je suis pas droit. Ah, droit. Il va avoir assez. C'est possible que non. Youhou! Youhou! Alors. Par contre, ça produit pas des masses. Hein. On va s'y mettre un peu là. Hein. Bref. Là, il va me falloir de la réserve pour la. Bah, la coupe de pétrole. Ouais. Forcément, sinon, c'est pas drôle. On va reculer, hein. On va reculer ça. Je pense que là, on est pas trop mal. Là. On est pas trop mal. Ça. On est là-dedans. Il est où les... le... Il est là. Parolier, ouais. Lui, si j'avais dit qu'il fonctionnait, si je vous avais dit qu'il fonctionnait, là, il aurait pu me dire arrête de mytho un coup, quoi. Alors... Ah oui, alors... Oui, alors, changement de plan. Parce que ça, on a quoi? On a le répartiteur. Donc on a l'entrée. Dans le groupeur, mais là on a une sortie. Donc là, en fait, là j'aurais double groupeur. Enfin, vous allez voir. Parce que là j'ai ça en MK3. MK3. Là. En MK3 qui va là. C'est droit ça. Le groupeur. En MK3 qui va là. Là, le répartiteur en MK. Oh mon vieux, j'ai foutu la sortie là. Ouais, me fait chier la sortie là. Ouais. Ça. Là, la sortie en MK3 aussi. J'arrive pas. En MK4, pardon. Hop, ça c'est du MK4. Ah, vache, attends, par contre, ça va être assez important la prod. Je suis en train de me dire là, ça va trop produire. Ouais. Non, ça va produire de manière trop importante. Donc on va en faire deux. C'est-à-dire que ça là. Ça va. Ici. Ça, c'est pas un souci. Par contre, là, je vais avoir besoin d'un deuxième à côté. Voilà. Qui envoie tout le rapport. Oh, putain, et ça va vite. Où c'est ? Et là, est-ce que j'ai un. Oui. Ah, ouais, non, oui, ça arrive de bas. Hop là, bonjour, bonjour, bonjour. Ah oh, c'est couillon ça, il ne manque pas grand chose. Voilà, et alors là. Et alors ça c'est trop bien, alors on peut aller tellement vite sur ces genres de trucs. Wouhou. Bref, par contre, si j'alimente pas, ça va pas marcher. Ça va pas se mettre en fonction. Et ici, on envoie ça dans le bidule là-bas. Wonderful. Wonderful. Oh là là, j'ai envie de dire. Ça se remplit tranquillou. Ça se remplit tranquillou. Ça se remplit tranquillou. Oh. Alors. Si je me trompe pas. Je me trompe peut-être. Je peux faire du tissu à base de polyester. À base de. Ah, il me faut de l'eau. Il me faut de la résine de polymère et il me faut de l'eau. Waouh.
faut des raffineries pour faire ça. Comment je le fais mon tissu? Hein? Attendez, j'ai un doute là d'un coup. C'est quoi déjà le raccourci pour accéder au... tissu? Ah ouais non d'accord, j'ai pas débloqué l'autre formule. C'est couillon ça. Bon bah c'est pas très grave après, on s'en fout, c'est où là? Viens, tiens un peu lent toi. Voilà. En vrai, il va falloir que je surveille là aussi, hein, parce que là, au niveau de la prod, je me demande si là je vais pas devoir passer sur 3 broyeurs. D'ailleurs, à mon avis, je vais pas m'enquiquiner. Je vais le faire de suite. On sait jamais. Il me reste un poteau là. On va pas s'enquiquiner. Voilà, ce qui est un peu con, c'est que j'ai fait ça. Mon premier répartiteur, tac. J'ai oublié que après il y a bouchon quoi. Si c'est plein, c'est bouchon quoi. Là, je suppose que ça passe pas hein, comme c'est. J'ai rien dit. Ferme ta gueule, mon gars. Arrête d'être médisant comme ça. Alors, on va faire dans l'autre sens si possible. Voilà. C'est juste parce que c'est gros, mais en vrai ça passe. Là je peux passer sur du MK3. Voilà. En plus, magnifique. C'est magnifique ou c'est pas magnifique? C'est magnifique. Donc là on a débloqué pas mal de choses mine de rien. On a plein de bordel sur nous. On a débloqué plein de bordel. On va remonter à notre base. On a de la prod là, d'électricité. Ouah, qui est pas stable. Oh là là. Comment ça se fait que je sois pas stable du tout en production? Ah, c'est en fonction de ma consommation. Ah, ma consommation est... Ah non, ma conso est là en plus. Ah non, je suis vraiment pas stable en prod. Il y a une couille dans le poté quelque part. Il y a une couille dans le potage. Il y aurait pas un truc plein qui fait que... Non, ça se vide. Je vais vérifier en fait, s'il y a des machines qui sont pleines, ça expliquerait. Ouais, là je suis presque plein. Non, là ça va. Attendez, pour être sûr, on va les vider. Voilà. Tout ça on évacue bien là. Ça évacue mal hein. Là, tout ça, ça évacue bien. Bon. Ça dégage, ça dégage. Si bouchon il y a, après, problème de production il y a également. Je suis trompé dans mes calculs ici. Hein. Alors, je récupère pas là. Totalement, c'est même plein. On va essayer un truc.
putain de dé autour. Voilà. Faire ça bien. On va essayer du moins de faire ça bien. Oui. Vitesse à laquelle se remplissent les tuyaux, toi. Ah, alors j'avais pas un truc comme quoi j'avais une ou deux usines là, enfin un ou deux générateurs qui avaient du mal à se lancer là. Il y avait pas un délire du genre. Attends, je vais reboucher le trou là-bas que j'ai fait. Parce que tellement baillé. Bref. J'ai tellement tout cassé que quand tu bailleras, on verra le jour, comme dirait. Voyons. On va vérifier que tout tourne. Là, ça tourne. Ça n'a pas l'air de tourner, ça. À l'arrêt. Pas d'alimentation. Bon, ça. Ah ouais, ça galère. Alors je sais pas si c'est à cause de différentiel de hauteur, j'espère pas, ou si c'est tout simplement à cause de la production du... Parce que là j'ai quand même de sacrées fluctuations hein. Putain. Là. Hein ? C'est bon, j'ai compris les gars. Hey, cours s'il te plaît. Voilà, merci. Attendez, j'ai... pourquoi j'ai rien qui est renseigné là? Copier, attends. Ah ouais, non mais d'accord, oui, non mais d'accord. Alors ce qui est étrange, c'est que mes tuyaux étaient pleins. Par contre, un jour, ça va tellement booster ma production là derrière de plastique, de caoutchouc et de casse du plastique et de caoutchouc, parce que là j'ai que la résine de polymère qui tournait à balle. Même ma coupe de pétrole se verra un peu boostée, j'ai l'impression. Ok, bon, on va attendre que ça remplisse un peu. Mais là, tout ce qui est résidu de pétrole lourd, ça va envoyer. Hein. Normalement. S'il n'y en a pas qui sont à l'arrêt. Ça a du mal à arriver. Bah oui, bah bien sûr que ça a du mal à arriver. Ah non, attends. J'ai pas fait un petit contournement là. Si, bah si, ouais, en fait j'ai 300 sur, j'ai un quart de ma prod qui arrive pas. Alors en fait tout ça il me faudrait du MK2. J'ai zappé ça. Bon bah direction la base. Allez hop. Il faut que je débloque le MK2 et pour ça il faut que je débloque. Alors oui, il me fallait des moteurs et des cadres modulaires. J'ai du plastique et des câbles, je dois avoir. Moteur, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Non. On va prendre ça, on va prendre le reste. Cadre modulaire. Je sais pas ce qu'il faut, c'est terrible ça. Je vais laisser la coupe de pétrole ici. Voilà. On disait cadre modulaire. Voilà. Hop, 200. Plastique, j'ai clairement pas ce qu'il faut en plastique non plus. Hein. Un petit cet inventaire. Hein. Bon, on va faire ça bien là. Je commence à foutre le bordel. Hop. Moteur 200. 1, 2, 3, 4. Tac, 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 voilà. On va pas prendre de rab. Câble. Ils sont où le câble? Il y en a ici. On va tout prendre, on n'avait pas le choix. Et 400 plastiques. Bon, le plastique, c'est simple. Je sais où il est, lui.
Je crois que j'en ai un peu en haut. Je vais utiliser... Non, je vais aller chercher celui du bas. En haut, on t'en garder un peu, là, tant que je suis à côté, ça fait un accès plus rapide. Voilà, 400 plastiques. On va prendre un autre. On va aller rechercher du câble. Hop. Paf, 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 paf. Il manque un peu de câble, j'en ai là ou pas? On va aller en chercher. C'est pour ça que j'ai de la fluctuation dans ma prod. Bon là, avec la petite modif que j'ai fait, ça devrait en produire un peu plus, mais... Non, en fait c'est le pétrole brut qui arrive pas à suivre, tout simplement. Allez, on voit. Milestone reached. Manufacturers can receive up to 4 inputs for the production of complex parts, such as computers and heavy modular frames, but most importantly, the 2 new project parts. The modular engine and adaptive control unit are essential for the development of phase 3 of project assembly. You are making good progress. The future is starting to look bright. Alors. Stocker des trucs parce que là ça va être, ça fait beaucoup quand même. Ouais. Ok. Alors il m'en faut 50. 50. 50 fois 5, 250. Cadre modulaire. Je vais noter ça parce que j'ai oublié. Note cadre modulaire, il m'en faut 250. C'est quoi ça? Tuyau en acier. Il m'en faut 1000. 50 000. Poutre en béton armé. Il m'en faut 250. Et vis, oh la vache, vis 120 x 50. Oh, alors là, je suis pas très bon à ce petit jeu là. 50, donc ça fait 5000 plus 50 x 20, donc ça fait 6000. 6000 vis, voilà, oh, oui, d'accord. Non, pas 600, 6000. Alors, voyons voir. Poutre en béton armé. 1, 2, 3 dans tous les cas, de toute façon. Mon stack il est commencé. Cadre modulaire, est-ce que j'ai ce qu'il faut? Tendu. Bon. Ah, mes tuyaux en acier, je vais devoir redescendre pour aller. Ouais, ça va, ça va être pas très très long. C'est juste à l'entrée. Voilà, ici. Ah, j'en ai pas mis. Cadre modulaire. 250. 1, 2, 3, 4, 5. Hop, on a le cadre modulaire. Il nous manquait nos 6000 vis et quelques tuyaux en acier quand même. Et bien évidemment, je ferai la production de cadre modulaire. Renforcer après, c'est juste que là je veux avoir ma production d'électricité propre avant quoi. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà.
on dirait un truc d'aération ici. Chercher les tuyaux, combien? 1000. On va peut-être en prendre un peu plus, des tuyaux, des poutres. Ça, c'est un peu loin à aller chercher. Donc tant qu'à faire, autant remplir l'inventaire et vider après. Donc, déjà, on va commencer par les tuyaux. Hop, on va régaliser. Tac, 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 tac. Et tout prendre. Voilà. Ça nous évitera peut-être à un moment de faire un aller-retour pas très très utile. Donc on va pas dire non. Belle descente là, on aime ça les descentes. Ouais, une petite montée là, on n'aime pas trop ça les montées. Voilà. Allez poser le surplus de poutres en béton armé, vu qu'on a l'inventaire plein, on pourra rien fabriquer. Alors non, c'est ça, voilà. Trier. Et là, je devrais pouvoir en faire 50 tout pile. Impeccable. C'est pas si long que ça, j'avais peur que ça soit beaucoup plus long à faire des cadres modulaires lourds. Et ben ça reste à la main. À la main, du moins. C'est raisonnable, hein. C'est raisonnablement rapide. Allez, igloo igloo à la vôtre. Bien. Hydratez-vous. Par ce temps d'une sécheresse, alors là, oh là, là, il pleut quoi, que 10 mètres par jour là d'eau, c'est, oh là, c'est dans sec. Je vais c'est pareil chez vous, c'est terrible. Hop, le bloc-notes, on va pouvoir le fermer. On aura toujours ça en moins. Nice. Donc on a fait déjà la moitié quand même. On a fait la moitié de notre production de cadres modulaires lourds. J'aime bien, j'aime bien. Effectivement, les tuyaux, on en aura peut-être quelques-uns en trop, c'est pas un souci. Bon, quelques millions en trop, c'est bon. Toutes les vis, elles sont censées partir. Hein. Ça, c'est un délire. Il en reste plus qu'une à faire. Là, ça bouffe de la vis. Hein. Mmh. Et bon appétit, bien sûr. Ouais, ça va te péter dans la bouffée de la vis comme ça. Hop, nos cadres modulaires lourds, c'est fait. Je voulais poser ça. Voyons. 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6. Ah, il manquait du caoutchouc. Il n'y en a pas qui traîne quelque part. Ouais, je cherche du caoutchouc. De toute façon, on a encore un peu moins de 7 minutes avant le retour de la navette. Donc
donc autant il est tranquillou. D'ailleurs, je me demande si pour la construction des MK2, il faut pas caoutchouc. Ou si c'est pas du caoutchouc, tiens, on va prendre tout ce bordel. Ou si c'est pas du caoutchouc, du plastique, et il faut un des deux, je pense. Pour les convois, les pipelines MK2. Caoutchouc, caoutchouc, ici, bingo. Bon, on verra bien. De toute façon, c'est pas très loin. Regardez, oh là là. Tout ce qui est envoyé dans le, tout ce qui est envoyé dans le broyeur. Alors je sais pas, ouais, pas tant de points que ça, 18 000 par minute. Après, là c'est 18 000 par minute parce que ça fait moite-moite. Mais à terme, ça va en envoyer, hein, mine de rien. Bon, c'est pas grand-chose, tu me diras, il y a de la coque de pétrole là. Par contre, quand ça arrive, ça fait des états là. On dirait un gros tas de, voilà, hein. Impressionnant. Voyons voir, ouais, ça fluctue, mais on va dire que au bas des fluctuations, on produit quand même un peu plus de 3 gigas. Hein. Et je pense que on pourra monter jusqu'à facile 5 gigas, là on voit. 6 gigas. Sachant que la conso sera toujours de 2 gigas, donc on aura 4 gigas d'excédentaire, quoi. Enfin. Là avant c'était, je produisais 2 gigas et ma consomax montait facilement à 2 gigas quoi. Que là ma consomax on est à 5 gigas pour à peu près 6 de... 5 gigas 5. Non, 5 gigas pour 6... 6 gigas 5 de prod, donc on a 1 giga 5 d'excédentaire, on a de quoi voir un petit peu là, c'est bien. Oui. What? Oh, c'est quoi cette couleur chou là d'un coup là? C'est moi ou ça fatigue ou. Oh. Oh, mes yeux ils aiment pas. Hop, tout ça ça part. Ça ça part. Et. Ouais, une couleur chou. Ah, oh, c'est pas agréable. Oh la vache, oh le mal de crâne est instant. Hein. Waouh. Terrible. Hop, tiens, prends tes feuilles, toi. Prends ton bois, toi. Et là, en attendant que... En attendant que la petite navette revienne, on va voir s'il n'y a pas une électrolimace vite fait dans le coin, là. Allez, on va aller en chercher. Ça y est, on a détecté une, je sais pas trop. Apparemment par là. Par là. Ah oui, non mais super. Ouais, effectivement, il y a peut-être une électrolimace dans le poison. Ah ouais, bah elle est là. Une autre quelque part là. Y avait pas une grotte là? Tiens, on va aller l'explorer vite fait. Oui oui, l'exploration. Là. Elle est jolie celle-là. On a pas du tout, c'est assez stylé, je dois le dire. Our blood could fill the effigy veins for a resonant song. Scripture becomes harmony, becomes composition. Defile our temple and the threads will sew the windows open. Pattern analysis continuing. New instruction. Repeat pioneer exposure to alien artifacts. C'est quoi ça?
Brain damage compensation packages may be available on successful completion of a special claims form. Our expert Fixit medical staff are impartial and always open to assess your claim. On va aller voir par là-bas, là, de côté du tuyau. Il y en aurait une peut-être là dans le coin, là, vite fait, là, une trop de masse. Rien de rien. Bon, on en a une là-bas. Ouais, elle a chopé là. Ouais. Non, je sais pas où. Apparemment, il y a une électrolimace dans le coin. Ouais, effectivement, il y a une électrolimace dans le coin. On va la choper au travers, non? Yes. On va quand même voir si on peut se débarrasser de ça là. Dans le. Mais non, pas dans le trou. Ah! Plus costaud que prévu celui-là. Pardon? Bon, bah d'accord. Bon bah, y'a plus de. Y'a plus. Y'a plus joujou. La navette est revenue, on va pouvoir envoyer ce qu'il faut dans la navette et continuer notre MK2. Et c'est bon, ouais, c'est pas grave, petite déconvenue. Le caillou est costaud. Sacré caillou. Milestone reached. Pipelines and pipeline pumps can now be upgraded to Mark II. They are like Mark I, but better. Pipes seem to be objects of fascination to humans. In fact, there are recorded instances of humans doing nothing but thinking about pipes for hours. Alors ça demande effectivement du plastique, en plus de la tôle de cuivre. Je vais récupérer ma tôle de cuivre et je vais récupérer quelques composants nécessaires pour faire quelques cadres modulaires parce que... Quelques cadres modulaires, ouais c'est pas assez. La vis qui a manqué. Vache, pardon, c'est cher ça. Je vais récupérer le plastoc. Alors, pourquoi? Parce que j'ai vu tout simplement... Que, voilà les pompes là. Les pompes de pipeline MK2 demandent des cadres modulaires lourds et j'en aurai quelques-unes à faire. Bah donc on va en faire. Donc je vais récupérer la 1500 vis. Je vais me faire une dizaine de pompes. Je sais pas si ça sera suffisant en vrai. On va voir. Ça me prend 13 pompes en tout. Même plus. Une petite quinzaine. Oh, pas du tout. Il va me manquer quoi là? Tuyau. Ouais, mais des tuyaux, je suis allé en chercher plus. J'ai bien fait d'aller en chercher plus du tuyau. Hop. On va toujours savoir où est-ce que. Voilà. Je
sais pas si ça suffira, on verra. Ouais, ça va me faire 16 cadrans modulaires lourds. Ouais, ça devrait aller. Récupérer quelques moteurs en passant. Donc quoi, moteur? J'ai pas vu, j'ai pas regardé si j'avais besoin d'autre chose en même temps. Ouais, moteur et plastique. Bon, plastique, ça c'est pas un souci maintenant. Moteur, on va aller en récupérer. Hop là. Plastique, j'en ai récupéré déjà, donc c'est bon. Hop, moteur, on va en prendre 100. Voilà. Alors, premier gros changement, c'est que là, alors, ça là déjà, comment ça? Ah, plaque de fer béton, oh, c'est pas bon. Effectivement, j'ai besoin de support moi quand même au minimum. Plaque de fer, il y en a là, du béton, j'espère que j'en ai quelque part. Ah, ça aurait été trop beau d'avoir du béton. J'ai tout posé. Plaque de fer et béton. Plaque de fer, c'est bon. J'en ai 3007, un truc comme ça. Dans les coffres, je suis c'est des bons coffres en plus. Hein. Les coffres, ils ont une capacité de stockage, t'inquiète. Hop. Prendre 1000, ça devrait suffire. Alors, je disais, oui. On va essayer de faire ça bien, hein, quand même. Là, ça me paraît bien, là. Ok. On va y mettre un peu de couleur. Enfin, on va retirer toute couleur, plutôt. Ouais, dit oui, ouais, ouais, c'est... Voilà. Ah, on est droit. Pas droit du tout. Qu'est-ce que je fous? Oh là là, mais c'est dégueulasse. Oh là là, terrible ça. Ah, mais non, le retour de la navette pour ça, c'était plus rapide que l'autre. Hein. Et puis j'avais pas photo. Hein. Tac, 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 voilà. Même principe ici, tac tac. Ça c'est dégueulasse là, tout ça c'est dégueulasse. Ok. Alors alimenter tout ça. Oh, j'espère que ça va pas me faire une coupure d'électricité. Ouais, ça me saoule. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre lucette. Voyons. Ça. Hop, ça. Voilà. Parce que pareil, là, au lieu d'avoir 3 pipelines, on aurait que 2. Alors, que je me trompe pas. Sinon, c'est pas drôle. Lui, c'est 600 déjà, je crois. Ok. Hop.
Ok. Ah, c'est vrai que là, c'est des tuyaux dégueulasses là encore. C'est quoi, je vais refaire mon tarte. Oula. Entièreté de la ligne là. C'est là, c'est dégueulasse, ça vaut rien. C'est ni fait ni à faire. Je sais pas qui a fait ça. Mais c'est du travail de sagouin. Voilà. On va aller récupérer ça là-bas. Alors que je me trompe pas. Dégueulasse là, enfin, c'est un truc que j'avais fait là, ouais, c'est bien mais c'est pas terrible quoi. Là il me produit combien lui? Il me produit 300. Mais il est pur? Je sais même pas. On va voir. Faire le chemin, là en plus on peut voir que c'était dégueulasse, tout le long, là, tout le long, ça, Lui j'ai l'impression qu'il... Je sais pas pourquoi, je crois qu'il produit plus lui. Genre vraiment plus. De toute façon, je suis obligé de refaire aussi. Alors, comment tu me produis? 600, voilà. Je disais aussi. Je réfléchis. Ouais, si c'est bon, j'ai une idée. Alors, pipeline. Je suis obligé d'avoir du... Je peux pas avoir une pipeline MK2 nu. Ah, c'est con ça. Bon. Bah c'est la vie. Alors, voyons voir, c'est là où faut pas faire de conneries. Alors, dit-il. Là. Là, je sais pas. Horizontal, vertical. Ok. Là on est en 2D auto. Oui, oui. Tac, tac. Je suis collé là, je suis collé. Oui. Le bruit de monstre. Ah oui d'accord, c'était un gros truc là. Ah.
Ça avance, ça avance. Là en plus c'est du 600. Ça, ça fait plaisir. Ah. Est-ce que... Non, c'est le calme, toi. Ah non, c'est pas le bon. Bon, ça va, j'ai pu retirer celui qui va m'en kick-in le plus. Hop, on va se calmer. Merci. On va lui faire un petit tour, ça fait un tout petit détour, c'est pas très très grave en soi. Ça, par contre, hop, on va faire autre chose. Hop, c'est que là, on l'amène là, plutôt. Tac, tac, tac. Et... Ok. Ici, on a 300, donc là, on peut utiliser simplement du MK1. C'est vraiment pas un souci. Oui, alors... Tac, 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 tac. Oui. On va alterner entre MK et MK2, ça va être un peu chiant. Donc je vais faire la ligne de MK2 et ensuite je ferai ma ligne de MK1. Hop, là c'est horizontal à vertical. Oula, what? Oh, c'est dégueulasse, mon ami. Là, tu me proposes vraiment ça? Ah, pas terrible. Ouais. Limite, le auto, il est mieux. Hein. Auto 2D. On va partir sur du auto 2D parce qu'il est mieux. Bah mince, il était bon pourtant sur la montée. Moi, je sais pas trop pourquoi. Bon. C'est pas très grave. Sur la toute première montée, il était bon là, en sortie du... En sortie de la foreuse, je sais pas si ça se fait comme ça. Je crois que c'est foreuse. Hein. Ouais, il était plus bon après. Tac. Oula, ouais, alors, waouh, ouais, alors là c'est dégueulasse par contre. Courbe, horizontale, auto. Ouais. Courbe, auto 2D, non, auto 2D est dégueulasse. L'auto il est bien là, à qui le tour. Ok, auto aussi c'est bien. On va passer sur du horizontal 2D. Je suppose que c'est vide. Oui,
Oui, je suppose bien, parce qu'il y a un sacré dénivelé, mine de rien. On peut voir que ça monte jusqu'à là, en théorie, je suis pas certain que ça fonctionne bien. Là, ça me pose pas de problème là que ça soit arrivé en haut, parce qu'il y a très 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 peu de dénivelé. Hop, on va mettre vraiment le bout de table. Hop, là. Pas de slime, mais là c'est quelqu'un. Ah. Je vais uniformiser. C'est pas grave. Ça va me coûter du plastique, mais je vais uniformiser. Parce que. Si je change mes. En fait. Je crois que la pompe MK2 permet de pousser plus loin. 50 mètres. 20 mètres, et ouais. La hauteur de refoulement est beaucoup plus importante. Donc je vais garder ma MK2, c'était pas prévu mais c'est pas très très grave. Hop. Hop. Ah ouais, c'est ça. Hop, là on est bien là. Oui. Les deux autos, et là les deux ils sont censés être vraiment... ils sont clean. Alors, et là... Ensuite, c'est là où ça va être moins sympa, mais bon, avec ce qu'on a, pas le choix. Et là, je vais faire tout droit là-bas. Je peux mon kikiner. Les limites quand même de longueur. Je suis droit quand en fait. Là je crois que je suis droit, non? Oui. Voilà. On verra ça plus tard ici. Là on est bon quand on est sur cette ligne là. Là on est droit, ok super. Ça m'étonne, tiens d'ailleurs qu'on est... Je suis pas tombé encore en route d'électricité. Ouais c'est pas loin hein. Mais pas tant que ça en rab. Hein. Ah, le lancement il va pas être cool non plus. Hein. Je vais attendre bien que ça charge. Que là le ça soit bien chargé en pétrole brut, même si tu me diras dès que j'aurais commencé à la mettre à consommer, bah ça va recommencer à produire. Hein, bon et 1, 2, tac, voilà. En plaçant ça. Voilà.
bout d'un moment, ça va pas me saouler, j'en ai marre. Hey, on va voir en ramène là. Du tuyau de cuivre, de la tôle de cuivre. Ok, ça c'est bon. Donc là on a l'alim. Notre alim qu'on va mettre. Putain, par contre. Je sais pas du tout combien ça me consomme ça. Faut que je regarde. Parce que là-bas j'ai de la résine qui me consomme 300 et là c'est 450. Ouais. Ok. Donc là il va me falloir une arrivée supplémentaire en fait. Donc ça. On va changer un tout petit peu là. C'est que là on est bon. De ce côté là je veux bien. Là, on va avoir double arrivée. On va avoir la première arrivée. Donc qui est ça. Ça y a pas de problème. J'ai mis de la pompe MK. C'est très cool. Là c'est pas bon en plus là-bas parce que je consomme 350. Donc tout ça. T'as genre 350 là ? Vache ! Eh mais purée ! C'est pourquoi ça ? Résine de poulet. Oh mais putain, la résine sacrée. Ah oui, alors, ah ouais. Voyons, customiseur déjà. Hop, tac, tac. Là c'est droit. Hein. Et là c'est droit. Si, par rapport au mur c'est droit, donc c'est que c'est droit après. Là la pression ça galère un peu. Hein. Là tout ça c'est bien en pression. Mais là, ça va finir par galérer au bout d'un moment quand même. Donc ce que je vais faire, c'est que là, hop, je vais mettre double pompe là. Oh, ça consomme. Consomme pas, super. 8. Ah, ça consomme le double, mais ça envoie plus de deux fois plus loin. Ouais, c'est sympa. Hein. Puis là en hauteur en plus ça va aller loin, là. J'ai 50 mètres en dénivelé, oh, je devrais être largement bon. On va quand même vérifier. Ah, on sait jamais. Oui, autre point. C'est que là, tout ça il me faut aussi un peu de... Ah merde, ça prend pas la couleur. Non. Là qui se lance. Ah oui. Je suppose que j'ai la même chose ici, oui. Ok. Ensuite, là, il faut que je fasse venir ce tube là. Après, on va faire différemment, on va le faire comme ça. Et là, je pense que là, je peux faire. Ça, là, il faut aussi. Même en sortie, hein, attends, en sortie là avec. Je suis en train de me dire, mais avec les.
les résidus de pétrole lourd, etc. Là, je crois que je vais être obligé. Hein. Il va falloir que je vérifie tout ça. J'ai combien? J'ai 150, 300. Non, 300 c'est le caoutchouc. J'ai 300, 150. Si, moi j'ai un 300 quand même. Ouais, il va falloir que je check tout ça. Ah oui. Donc, je disais, tac, tac, tac. Voilà. Et ça en couleur, d'accord, un mélange entre, un mélange de franglais là, c'était original. Ah, j'ai même envie de colorer ça, allez hop. Tac. Et pour faire beau, ou du moins, moins moche, pas déconner non plus. Ok, ma conso d'élec, ma production elle est comment? Oui, ça revient sur du bizarre, c'est pas normal. Donc je vous explique vite fait. Là j'ai 2x600 qui arrivent. Cette ligne là me consomme 450, donc là j'en ai 150 en RAM. 600 moins 450, 150. 150 qui sont à moitié prises là-dedans. Et ça consomme 450, donc j'ai ça qui arrive qui en a également 600. Voilà. Donc des 450 là on prend les 150 restants et on prend 300 restants et les 300 restants partent là-bas. Donc je sais pas pourquoi j'ai fait du MK2 ici. Ouais, j'ai dû me dire tant qu'à faire, tant faire tout en MK2. En théorie je peux rester sur le MK1. Bon, la théorie et moi ça fait deux. Donc voilà. On va regarder, j'ai ce qu'il faut en matière de construction. J'ai plus beaucoup de plastique, j'ai plus beaucoup de tôle. Ah, ouais. Ah non, la tôle ça va pas m'en demander, c'est ça qui est bien. C'est que j'en ai déjà, je crois. Donc là, 1, 2, ah si, ouais, je double. Bon, ça m'en demandera moins que de partir de zéro, mais ça me demandera toujours un peu de tôle. Après la tôle, j'en ai encore 200, un truc comme ça, ouais, 240. Je pense que ça devrait le faire. On verra, ce sera la surprise. Récupérer un peu de plastique par contre, tac, voilà, 200, ça devrait aller. Donc, là on a notre production de plastique. Là on a, hop, oh, c'est vrai putain, j'ai pas fait. Non, ça c'est dégueulasse. Ça c'est dégueulasse le 2D. Enfin, faut que je fasse du 2D auto partout, quoi. C'est dégueulasse les courbes. Oh non, la couleur. Oups. C'est ça, je crois. Oula. Ouais, pas de bol. Ça doit être l'autre alors. Bingo. On met la couleur. Là. Couleur. Donc, plastique, plastique, j'ai 150 résidus de pétrole lourd qui vont. Résidus de pétrole lourd. Ouais, non, là ça devrait être bon. Enfin, en vrai, là. Là j'ai une prod de 300. Là j'ai deux trucs pour faire passer. Oh. Est-ce que ça vaut vraiment le coup? Surtout que si j'améliore en plus, hein, je vais refaire. Allez, on va faire, on va sécuriser. Oh, ça remplit bien, hein. Ça remplit vite. Hein. Donc, double volume possible. Bon. Par contre, c'est marrant, c'est que ça garde la couleur, mais qu'à moitié, quoi. Ça garde la couleur de l'intérieur. Ah, maintenant, tu me diras, c'est la couleur du résidu de pétrole lourd, en théorie. Enfin, que le jeu a choisi pour mettre ça. Hop, 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 hop. Et là. Là, on a quoi? Ça qui me produit 200, là, toute cette partie-là me produit 200. J'ai vraiment fait un double tuyau. Ah, mais c'est pas bon. C'est le bordel que j'ai fait pour rien.
Ah non, là par contre, là je mets du MK2 là parce que c'est n'importe quoi, ça a rien de fait de la faire. Je vais faire un peu de couleur plus tard, il n'y a pas de problème. Mais, ça n'a aucun sens. Tac, paf, 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 hop, voilà. Là, on a du MK2, là. Ça, je peux à la rigueur le garder. Voilà. Et ça, si je me trompe pas, je me trompe peut-être. Non, ça a l'air droit. Pas du tout. Voilà. Ça, on a l'air plutôt correct. Alors, bon, on va mettre la couleur là, modifier. Là, si on n'a pas de dièse avant, ça va pas marcher. Non, pas de bol. C'est celui-là. Alors, on va se retaper tout ça sans oublier, ça va être plus compliqué ça. De les mettre quoi, en passant. Je sais même pas s'ils y sont déjà. Il y est pas par contre. Celui, je me souviens d'avoir modifié. Ouais. Voilà. Un petit coup au cas où là. Ok. Ah. Oui alors. Excuse-moi, j'étais totalement zappé. Un peu nuancé là. On va voir ce que ça donne au niveau de la cité, qui devrait, j'espère, en plus si. Enfin, j'espère que ça va se stabiliser, sinon c'est que j'ai fait la merde plus tard, je sais pas quoi. Et il va falloir que je vérifie chaque raffinerie, chaque truc. Ce sera un bourbier. Tu vois, ça j'ai l'impression que j'ai pas assez en entrée, par exemple du les résidus de pétrole lourd. Ça semble avoir 450. Ah! Attendez! Une grave erreur de la part du joueur français. J'ai pas dit raffinerie. Je suis censé en avoir que 5. Enfin, non. Je suis censé en avoir là. Mais 3,75, donc 1, 2, 3,75. Et par contre pour le reste je suis censé en avoir que 5 en fait. Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, et je viens de tout juste me rendre compte quoi. Donc ça. Plus c'est celles qui sont le plus remplies. Donc là. À l'arrêt. Ah bah à l'arrêt mais non voulu là. Merde, ah, attends. C'était pas voulu la bourne. Bon là le plastique, ça vache, ça tourne. Ça tourne trop hein. 300 là, le classique. Attendez, j'ai du MK3. MK3, c'est, je fais pas passer du tout. Je fais pas 300 sur le MK3 en fait. C'est qu'au bout d'un moment, bah là il sature lui en fait.
chercher un peu là de... ça. Il saturait en fait au niveau lui de la prod, c'est pour ça que ça suivait pas en réduit de pétrole lourd. On va faire pour caoutchouc. Là ça vide bien là tout là. Bon les derniers ça va, en bout de chaîne ils sont bien parce qu'ils n'ont pas à partager en fait. Là ça va aller. J'ai l'impression que ça a vidé assez vite. On s'est rendu compte assez rapidement. Et je vais devoir faire pareil pour l'autre côté. Donc là c'est game 3. Ouais. Ça c'est game 3. Game 3. MK4, pardon. K4. Tout est du 4 là. Ça, le caoutchouc ça a un peu plus rempli déjà, et comme le caoutchouc c'est ce qui me fait plus produire de résidus de pétrole brut, pétrole lourd, ça aime pas. Non, c'est lui qui est moins divisé, je crois. Oui, c'est lui qui est moins divisé. Ouais, le bout de chaîne il aime pas, c'est le début de chaîne qui est bien. J'avais dit inverse tout à l'heure, ok. Résine de polymère, je suis bien parce que ça produit que 150, et coke de pétrole, normalement j'ai déjà tout mis en MK3-4. Ouais, tout en MK4. On peut voir, la résine de polymère elle est tranquille, le coke de pétrole il en produit 450 pour 480. Donc de temps en temps on a des petits hop, des trous comme ça. D'ailleurs il est plus plein que tout à l'heure, ça c'est une bonne nouvelle. On voit que ça se ça commence à se stabiliser un peu vers le haut, vers le 6,5 giga. 6,8, oh. C'est pas encore totalement ça, mais après il y a aussi un petit temps de stabilisation forcément. Vous voyez là, le 6,8, on arrive à le tenir un peu là. Même si forcément ça va pas être parfait, hein. Là tant que tout ça c'est pas vide. Poteau. Ça se stabilise petit à petit. Bon, je veux quand même voir si tout tourne bien. On va faire chaque raffinerie par une. Ouais. Là, tu vois, par exemple, là, elle est à l'arrêt, elle devrait pas. En plus, ça devrait clairement pas être à l'arrêt. Hein. Quand ça se fait, mais longtemps en plus. Waouh. Pétrole qui a du mal à arriver. Hein. Je vais lui refoutre un coup de boost juste devant au cas où. Je suis pas sûr en soi que ça soit quelque chose, mais en doute. Je vais refoutre un coup de pompe là. Oui, alors dans le bon sens si possible. Ah! Bien, oui. Je sais pas si ça va aider un peu plus ou pas. Ça, on y est plein. Ça, il est plein. Elle est pleine. Elle est pas pleine, hein. Et... ouais, si, ouais, c'est ça. Ok, ça c'est bon.
Comment ça se table? Ça se remplit. Là c'est par moment, ouais. Là c'est... Je suis clivant. Ah bah à partir de là c'est je suis clivant. Oh, c'est dingue. Comme ça ici, à partir d'ici c'est je suis clivant. Là on est plein, pourtant tout ça c'est plein. Hein. Pas bon. Hein. J'ai l'impression que c'est le bout de piste qui aime pas en fait. Alors. Est-ce que. Pour éviter le problème des bouts de piste, parce que là on a un débit de 600, ouais. On a un débit de 600, là on a un débit de combien? Dégueulasse. Ah, attendez. Après, ça se trouve, ça part là-bas et ça, c'est pas bon. Je peux mettre une valve, je crois. Yes. Caoutchouc, merde. Mon caoutchouc. Ah, j'en ai pas là, qui traîne là, vite fait là, vite fait. Non. Je vais mettre une valve et je vais limiter la quantité à passer à l'étape suivante. Comme ça, je vais pas m'enquiquiner et je vais mettre des valves en fait partout. Je sais exactement la quantité que j'ai en entrée. Donc ça va être plus simple. Voilà. On va éviter, on va mettre voilà, on prend un nombre. Voilà, un chiffre fixe là. Voilà. Après j'ai peur qu'avec la valve ça merdouille. La valve ça limite le débit max, mais le débit ça va être une moyenne. Mais sauf si c'est limité partout, donc si c'est limité partout, ça devrait être bon. Enfin bref. Donc là. C'est alimenté. Faut l'alimenter. Ouais, d'accord. Il est dans le bon sens, lui. Ouais, alors, non, pas le... Oui, c'est dans le bon sens. Lui, je veux le limiter à 150, si je me trompe pas. J'ai combien? J'ai 600 moins 450. Bah, c'est envoyé, hein. Ouais, quand tu vois le débit, c'est envoyé. Là donc on peut voir que ça baisse, mais ça c'est pas un souci pour l'instant. Là j'envoie tout, oui, là. Là j'envoie 300. Bah, voilà, merci. Là j'envoie 300. Et là. Voilà, j'arrive bien à le faire comme ça. Voilà. Et toi ici. Et toi, voilà. 450. Et si je veux vraiment faire le perfectionnisme, normalement j'en ai pas besoin. Là, je vais mettre 450 également. Ah! Sous les valves. Ok. Et là normalement je suis censé être pas mal. Hein. Pourquoi j'ai un débit dégueulasse là-dedans là? Oh, le débit. Là ça monte pas à plus de 450. Et bon, je suis censé monter à 600. Là. Et le débit a du mal. Hein. Là.
C'est dingue, c'est comme si ça avait vraiment du mal à suivre au niveau du débit. Mon débit, il devrait être impeccable en fait, partout. Mes tuyaux devraient être remplis, hein. Là on a 600. Là ça fluctue, c'est pas bon déjà. Ça fluctue, c'est pas une bonne chose. J'en ai pas mis un. Genre j'ai pas oublié de. C'est vide là, ça devrait pas être vide. Là ça devrait être complet de chez complet là. J'espère que je me suis pas trompé dans ma consommation. Là. J'espère vraiment que je me suis pas gouré quelque part. Parce que là c'est chiant de retrouver l'erreur là-dedans. Là on a quoi là? Ok. Là c'est normal qu'on n'ait pas un débit parfait, que ça soit pas complet. Oh attends. J'espère qu'il veut pas remplir lui. Parce qu'au niveau de la hauteur là. Et il va à 50 mètres mais même tout droit? Non. Oh putain, si c'est le cas, c'est pas cool. Là si je le mets là. Ouais mais allez s'il te plaît mon gars. Oh mon vieux. J'arrive pas à l'avoir. Ça me casse les. Ça me casse les noisettes. Un peu en hauteur, voilà, merci. Et si possible, dès qu'elle est un peu comme ça. Ma question c'est est-ce qu'il galère en fait en tant que ça, non c'est la prod qui galère là j'ai l'impression. J'ai vraiment l'impression en fait que c'est la production qui galère là. Alors qu'il n'y a pas. Alors que ça devrait pas. Hein. Je vais remonter petit à petit le chemin. Si j'ai fait ça là-bas. Si j'ai fait la même connerie là-bas, là j'avais laissé du MK1 alors que j'avais mis du MK2. Si j'ai fait la même connerie au tout début. Bah non, après ma console elle est beaucoup trop haute. Elle est stable dans la hauteur là-bas, donc non, j'ai pas fait la même connerie. Là vous voyez, là j'ai un débit de 600 tout le long. Là tout là j'ai un bon débit, et je me demande là si là ça bloquait pas à cause de cet endroit peut-être. Ça va me tuer. Faut attendre que ça se remplisse peut-être aussi, y'a de ça hein. Hop, là mon débit de 600 est là, et là hop, ça fluctue. Entre 3, mais en moyenne je dois avoir 300. Que ça fluctue, je comprends ici, mais je dois avoir 300 en moyenne. C'est peut-être à cause de ça. Hein. En vrai, c'est peut-être à cause de ça. Hein. Là, je vais tout passer en pas pleine. Hein.
Ça, je peux garder une sur les pipelines. Non, c'est pas un souci. Ça pourra peut-être éviter de les fluctuations là dans cette pipeline. En fait, il arrive pas à le remplir. Là pareil, c'est... Là, je vais avoir le même problème. Hein. Là j'ai 300, c'est pas censé fluctuer. Là je vais avoir 600 sans fluctuation en théorie. Là j'ai mes 600 sans fluctuation. Hop. 600 sans fluctuation. À côté, je suis censé avoir 600 sans fluctuation également. Pourquoi ça se m'a fluctué là? Genre là je suis impeccable et là... Ça se fluctuait pas il y a 2 minutes? Genre j'étais impeccable? Oh non, mon vieux. Je me suis peut-être trompé quand j'ai placé du MK1. Là j'ai peur que j'ai fait... J'ai peur d'avoir fait une petite bourde là sur le MK1 par contre. Non. Là j'ai 600. 50 là, mettre les lignes, on les pousse loin quand même, les 50 mètres. Là. Non, j'ai pas fait de bourde. Après, là, si je dois faire un rappel, je mets un rappel. Hein. Là, je mets les pompes, hein, y a pas de problème. Là, ça a l'air d'aller. Oh, je vais mettre des pompes, hein. C'est pas grave. Hein. Bon, pour 8 mégas de conso, je les mets. Hein. Et là, ça se remplit pas. Ça a du mal, ça galère. C'est bizarre. Là, ça fait gros. Bon, là, j'ai fait des modifs donc je comprends les fluctuations. Enfin, du moins, je les accepte. Je les comprends pas, mais je les accepte. Et si le débit il est bon là, après ça fluctue vachement. Donc, c'est que là, mon débit 600-600, ouais. 600-600, ça va pas. Impeccable, hein. Si peut être à 600 partout, c'est mort. 600. Là j'ai refoutu un coup au cas où, 600, tu me dis si la sortie c'est pas 600, là ça m'énerverait un coup quand même. 600, ok, bon. En théorie ça devrait être pas mal. Bon, la baisse. J'ai perdu 1,5 giga là. Là ça commence à baisser, ouais, bon, ça reste raisonnable. Ouais, c'est plus raisonnable du tout. Ouais, c'est d'un coup là, j'ai une chute libre quoi. Et le reste, je suppose que c'est pareil. Hein. Après c'est peut-être que le temps que ça se remplisse. Je vais mettre un indicateur. Sur le tout dernier qui est bien rempli. Donc lui on peut considérer qu'il est rempli lui. Ah oui, c'est vrai, j'ai débloqué la phase 2. Ouais, effectivement j'ai rien pour mettre un indicateur là. On peut mettre un réservoir, faut pas déconner non plus. J'ai rien, j'ai pas un petit truc indicateur, on va mettre ça. Oh, la tronche de l'indicateur. Hop, là c'est pas rempli. Là c'est pas rempli. Là c'est... Je suis
Bah à peu près, ouais, si je le considère comme rempli, là, t'as son truc de remplissage. Hop. Là c'est rempli. Là c'est pas rempli, là c'est pas rempli, là c'est rempli. Ouais, donc en fait j'ai la moitié qui est remplie quoi. Après bon là c'est un peu différent parce que c'est réparti un peu de manière homogène. Trop d'interrompus. Hein? Comment ça? Pourquoi? Ah oui! Oui ouais, non, mais ça c'est pas très grave. De toute façon il est plein mais j'en ai un peu rien à ce coup. Parce que c'est vrai que les 5 là j'en ai pas besoin. Ouf. J'ai pris l'accélérateur. Donc j'en ai 5 ou 1, 2, 3, 3, 4, 5. Ouais, je vais laisser ça au cas où. On sait jamais, t'as y'a des. T'as jamais que ça me sert en gros. Donc là ça va moins se balader n'importe où quoi. Hop. Ouais, tout là va partir là-dedans. Ok. Ouais, mais là c'est normal, j'ai un surplus des tuyaux là qui doit se barrer donc c'est normal que là je sois bien. Et le surplus commence à avoir été utilisé. Quoi. Comment je pourrais faire pour remplir mes trucs là? Là on avait dit que. On avait notre repère, on avait dit que là c'était rempli. Et moi c'est encore rempli. Putain, c'est plus rempli. C'est plus rempli! C'est pas bon dans ce sens là quoi, je me dis c'est bien, ça peut-être commence à remplir l'autre. Non c'est l'inverse qui. Oh la vache, ça me vide quoi. Mais là c'est les... normalement. Je suis pas fou, normalement ça c'est la hauteur quoi. Hauteur là. La construction des plus grandes remarques, la hauteur d'un fond ne supprime pas et donc on ne laisse plus de place. Je sais pas. Ouais, super. Et lui là c'était ça, donc là c'est encore plus vite que ça. Non, lui il est bien. Oh, lui c'est rempli, tu vois, contrario, lui, oh, lui il a fait le plein. Lui il est rempli jusque là maintenant. Vider d'un côté, ça remplit de l'autre. Alors, j'ai du mal. On peut comprendre. Attendez, ça fait combien de temps cet épisode là? 1h42. Ah ouais, non mais.
Là, je vous ai donné un épisode un peu long. Je m'en excuse ou bah de rien, au cas où, ça dépend. Ça dépend de la santé. Je suis à 450, c'est ça. Ouais, c'est vrai, je peux pas passer en dessous. 450, là j'ai mon arrivée de 600. Là j'ai 600. La question c'est, est-ce que dans l'intersection il peut y avoir plus de 600? Hop, oh je suis désolé. Non parce que si dans l'intersection il peut pas y avoir plus de 600, là je suis couillonné, pour parler poliment. Bon, dans le doute, on va faire quelque chose. Ça, c'est pas la bonne idée. C'est pas la bonne idée de faire ça, c'est pas grave, hop. Ça fait un peu moins longtemps possible ce bordel. Voilà. C'est que là. Oh merde. Bon bah tant qu'à interrompre. Hop. Et tac. Alors, ce que je vais faire, c'est que là, je vais faire une valve. La valve qui est là. Je vais lui dire, je veux 300. Là, je vais pas m'enquiquiner. La valve qui est là, je dis, je veux 0. Rien qui. Ça, c'est un. Bon, en fait, il me sert à rien. Voilà. Et la valve qui est là, bah, je vais lui dire, je voulais les 300 de l'autre, quoi, en fait. Le souci étant, c'est que c'est une moyenne. Et ça me casse bien les bobos. En fait, le mieux c'est. Ce serait que je le fasse sans valve. Je vais tester. Parce qu'en fait, là, ça sert à rien. Si je mets les valves, jamais ce sera rempli, quoi. Ça limitera pile à la. Bon, on va essayer. On va essayer deux choses. On va essayer sans valve. Pourquoi c'est pas. Ah, ok, d'accord. Donc, on va essayer. Sans. C'est moi. Non, c'était pas grand encore. Et merde. Je vais le faire chier ici. Oh là, c'est moche. Hop. On va. Ah, c'est pareil, tiens. C'est pas la même couleur là. Ah, c'est une dinguerie ça. Hop. Bon, on va essayer de tout mettre sans valve. Là, j'ai vraiment l'impression que c'est pas bon. C'est une dinguerie. Je sais pas pourquoi. Ça y est, c'est droit, je crois. Ça doit être les. Ça. Oh, non mais. Vraiment, enfin, regarde là, c'est pas de la même couleur. Tout est de la même. Enfin, un peu pointilleux, oui. Possiblement très pointilleux. Très chiant. Mon débit est dégueulasse, ça on s'y attend. De toute façon, c'est fin de tuyau. Donc, D'ailleurs. Non. Bon là.
est possible que ça ait rempli un peu plus à ce niveau-là. Comme j'ai pas alimenté le reste, ça, ça peut être mieux envoyé un peu plus. Là, c'est complet. Alors, on va considérer que là, c'est 16. 3, mais ouais, mais... Tout ça, c'est pas alimenté, hein. C'est ça qui est chiant. Normalement, j'ai 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Comment ça? Bah, cherchez pas. Parce que j'en ai deux trop encore là. Quoi. Je le dis en plus, normalement j'ai 15, 11, 17, mais c'est bon, c'est... Tu m'étonnes que ça peut pas se remplir, et tu m'étonnes que ça fluctue. Ouais, non, on va prendre un petit peu... Ah ouais, non, mais quelle connerie. Ah, elle est belle. Bon, ça je peux retirer. Donc ça l'alimentation on s'en fout quoi. Voilà, bon déjà. Est-ce que je laisse comme ça? Qu'il y avait quantité, donc je vais mettre du MK2, on va pas risquer. Tac et tac, voilà. Alors, oh non, je suis gouré forcément. Putain, j'aurais un truc. Ah, c'est bon, vous le voyez pas. Non, parce que j'utilise un. J'utilise Windows V en fait. Donc pour ceux qui savent pas, c'est, j'utilise le, c'est pas le bon, j'utilise le, en fait un copier-coller mais qui garde en mémoire les derniers copier-coller, donc j'ai tous mes copier-coller en mémoire. Bon. Y a pas de gros soucis avec mes copier-coller, ça moi, c'est le bon truc. Mais bon, si ça peut être évité d'être partagé, c'est toujours ça de prix. Mais non, ça apparaît pas sur l'écran, c'est vraiment sympa. Ouais. Considéré comme étant le jeu, c'est considéré comme étant un truc Windows, alors que pourtant c'est bien dans le jeu que je colle. Ouais, j'aime bien. Tac. Donc là c'est rempli jusque là, et là ça devrait remplir. Là c'est rempli, là c'est pas encore. Oh, mais c'est normal, c'est le début, c'est tranquille. Hein. Et on voit que ça tourne à peu près. Ah, à peu près, sauf les derniers. Mais bon. Donc ça me va. On va regarder pour le caoutchouc. Ouais, oh la vache, ça fait presque 2 heures de recul. Oui, je peux voir comment je... Merci. Ah, bon là j'ai le même principe que tout à l'heure. Est-ce que j'en ai perdu? Ouais, j'en ai perdu. Ouais, ça c'est normal, ça je l'avais pro. Ça je vous l'avais dit que j'en aurais perdu un peu à cause des manips que j'ai fait tout à l'heure. Donc. C'est pas très très grave. Et là... Ça, c'est pas long. Lui il était pas totalement rempli là, à ce niveau là. Lui ils sont totalement remplis, ça j'aime bien. On va prendre notre point de repère. On va dire que ça, c'est rempli. Déjà, ça fait une rangée qui est en théorie remplie, qui devrait, j'espère, ne pas bouger. J'espère. Plus qu'à attendre. Bon. Je vais voir, j'ai pas une ligne ici, j'en ai. On va voir à combien je suis en production, si ça fluctue beaucoup ou pas. Production fluctue moyennement, pas trop on va dire là sur les derniers. Il y a eu un petit pic bas, c'est pas très grave.
Sinon, on reste, on va dire, sur du... Super, j'allais dire sur du 6 gigas. Ouais, plus ou moins sur du 6 gigas. Ça reste raisonnable. C'est raisonnable, quoi. En soi... Ouais, si, j'ai retiré tout ce que... tout ça... Oui, en résidu de pétrole lourd, il est bien. Ok. On a 15. Ok. Bon. Bah, je vais laisser tourner tout ça. Je pense là, la nuit, je vais la laisser. On va voir si ça va se stabiliser. Et si c'est pas stabilisé après une nuit, faut plus déconner. J'espère que l'épisode vous aura plu. Un long épisode aujourd'hui, presque 2 heures. Ça faisait bien longtemps que vous n'avez pas fait. 2 heures. Je vous propose de me retrouver moi très bientôt pour le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir suivi et je vous dis à la prochaine. C'était Tiob. Ciao.